terrible, je suis au sol, quoi. Je pense que la vidéo c'est un peu par là, en fait. Je ferai une intro dans le combat, quoi. Oh Dieu. Oh non. J'ai été terrassé, attaqué malheureux. Bon, j'espère que... Là, ils ont pas l'ordre d'attaquer, alors est-ce qu'ils sont formés sur place? Ah, enfin, c'est une charge automatique, c'est énorme. J'étais à terre, quoi. Il y a mon Spearman là-bas qui me joue pas, quoi. Putain. Putain, je suis fou, quoi. Putain. Je vous disais, je sais pas quoi, sur le sol, quoi. Voilà, voilà, il y a du monde à recruter, quoi. On va constituer ma petite compagnie. Après, les gens que j'ai tués, et ceux qui ont déserté, quoi. Putain, un cavalier, quoi, bien. Un farmer. Alors, je vais refaire les trucs aussi. Hein. J'ai quoi? J'ai infanterie, archer, cavalerie, spearman. Archer, il lance des cailloux. Archer, il lance des cailloux. Lui, je mets dans la cavalerie. Juste à trois trucs, quoi. Et les pouilleux, je les mets dans les archers, quoi. Hunter à l'infanterie, j'ai assez de pouilleux dans... Ouais, c'est pareil, rien à faire dans les archers. Ils sont levés, alors je ferai ça plus tard. Cher veloute. Quoi, mais bon, ça fait des sous. Putain, 17 000 PO là, j'ai la vache. Ouais, je suis un peu en mode gros sac. Voilà, hop, je tiens de ça et je me suis fait ma compagnie. Alors, il était en route vers Denise machin. Lui. Tour a Renegade Kent, il y a encore Renegade par là. Bon bah ouais, j'ai pas fait un tronc, hein. Peut-être dernier épisode, je dis ça à chaque fois, sur Viking Conquest, hein. Là j'essaye de terminer cette phase. Enfin, j'essaye de terminer mon playthrough en fait, parce que je comptais arrêter un endroit bien particulier là. On y arrive petit à petit. Voilà, je vois il y a Bjorn, Ragnarsson, il y a un autre mec, il y a du monde ici, je cherche Rathbart là. Location. C'est un jeu chronophage. Denise Berna. Bernam, il est ok, ça marche. Je vais voir un petit peu les gens qu'il y a. Christian. Tiens, Van Hill, c'est la femme. 1, 2, c'est bien. Permission.
150 de rang de plus. Gros lui, salut. Je regarde leur niveau de humain pas. Au moins même quoi. Je vais recruter des gens, parce que du coup je suis sur les terres de Bjorn, et Bjorn m'autorise à recruter. 4 North Freeholder, nickel, ça me coûte un bras. Penham. Je sais pas c'était quoi le nom de la ville de merde qu'il a donné. Y'a quoi, y a un banquet, quelque chose ici, y'a du monde qui y a plein de gens qui arrivent. Je cherche la ville. Ah oui, alors ça c'est une des quêtes, ça. Ça c'est une quête, donc en Irlande, c'est une des quêtes qui ont été rajoutées. Donc faut que je me ramène avec 1000 PO, quoi. Pour parler aux mecs, quoi. Ils sont pas chiés, les gars. Ah, bah oui, je suis con, je cherchais Ralfnar. Mais non, j'ai décidé de la remettre au roi. Britain Walda, quoi. Putain, je suis con. Alfred Finn. Alors, est-ce que c'est... On sait pas. Parce que West Sax, c'est l'Wessex, en fait. Ah, et ouais, dans Viking. Putain, moi, je suis con, je vais là-bas. Et dans Viking... putain, j'ai fait une route de porc, quoi. Dans Viking, bah, y a Alfred, le fils d'Altestan, le prêtre, quoi. Et donc, bah, c'est drôle, parce qu'apparemment, ce serait lui le roi du Wessex. Après, c'est lui, Alfred, quoi. Ouais, je me perds en conjoncture. Mais je me suis compris, c'est l'essentiel. Voilà, après... bon, je vais aller vendre mes prisonniers, moi. Putain, moi, je suis con, je pars chercher le... le Danois. Enfin, le, oui, le Viking, quoi, au final. C'est tout ça. Sur les autres, là... Alors, alors, allez, là maintenant, il va falloir trouver le roi de West Sax. Alors, West Sax, c'est ici. Ah putain, ils vont être énormes après le truc. De toute façon, c'était quoi? C'était West Sax, je crois, je sais plus. Je sais plus s'il y a un état qui l'a emporté sur un autre. Là, il a le titre de Britain Welda, mais là, on a Mercia en bleu. On a les Pays de Galles en vert, j'ai ça comme ça. On a Béchignog, ils sont en train de se faire défoncer. Voilà. D'accord, là c'est les petites factions des. D'accord, des. Pays de Galles, quoi. East Anglia. Donc East Anglia, ils ont dû se faire enfoncer par le Wessex, quoi. Donc il faut que j'aille tout là-bas, quoi. C'est cool, hein. Donc ouais, hein, putain, je pense que je suis bon. Je pense que je suis super bon. C'est vrai, on est pas assez, on est combien, putain, 30 mecs, quoi, putain, c'est vrai, fait chier. Bon, one, 6. Ça les marins, quoi. Par contre, on peut monter avec les prisonniers, c'est bon ça. Je vais m'arrêter ici pour esclave. Denwick.
Alors dans ma première partie, donc j'avais Jura Legends au Nordique, dans cette phase-là. Du coup, ils avaient pris vraiment une grosse proportion. Et ils étaient sur le point. De toute façon, c'est clair qu'il y a une des deux factions, la faction qu'on va choisir, eh bien, va anéantir l'équilibre précaire qu'on a entre les factions sur la carte, quoi. Donc c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai toujours un petit peu de rancœur à détruire une faction, par exemple, parce que mine de rien, c'est une culture et tout. Enfin, je sais pas, c'est un bout de truc qui disparaît quoi du jeu, et c'est dommage. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Et du coup, voilà, ça fait chier. Mais une des deux factions dans ce mode d'histoire va obligatoirement prendre l'ascendant sur l'autre. Donc voilà, j'avais pris les Danois le premier coup. Là, je vais prendre les Saxons parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé au final, hein. C'est les Saxons qui ont pris le. Ouais, toujours en même temps. Donc, qui ont repris le truc, quoi. Alors. Hi, man. Putain, y'a personne. Hein. C'est l'autre. Merde. Voilà, j'ai toujours. Merde. Il sort son épée, quoi. Il va tuer des mecs. Trade with locals. Bon, je vais virer mes merdes là. Premier lui. Pingas. Peningas. Mais je vais appeler ça des pingas. Truc. Truc d'Alkyu, quoi. Tac. Voilà, 3000 pingas quoi. Qu'est-ce que je vais acheter? Ça va être périmé bientôt. Pourquoi j'ai du bois? Putain, ça prend de la place, c'est merde en plus. Hein. Si je voulais vivre, je sais pas pourquoi c'était là en fait. Je me dis, y a sûrement une raison. Et vend cher, vas-y. Je vais pas retourner à mon refuge avant. Hein. Mais du coup ça me fait des pingas en plus. J'étais à bouffer. Comme j'ai déjà une unité de buff dans mon inventaire, il veut pas que je vende et les rachète et tout. Ça me fait chier. Bon, je vais pas les avoir, mes pingas en fait. C'est chiant parce que ouais, il leur prend bien. Faut accoster, allez, affiche-toi. Voilà. Je me roule une petite clope. Bah ouais, parce que voilà. C'est le travail. Perhaps you don't know about. Ah oui, voilà, comme j'arrive, il me raconte un truc sur la ville, mais. Je vais peut-être aller voir les Danois juste pour plus voir ta gueule, en fait, Bodo. Je suis désolé de te dire ça, mais. Perhaps you don't know about Canada is the kingdom. Oui, c'est le kingdom de West, du Wessex, j'avais vu. Is the city where the ship, the Roderick. Hein? Where the ship, the Roderick, should have booked me. D'accord, c'est ici qu'il s'est fait embarquer. Non, j'ai pas compris. Ah d'accord, c'est la capitale du royaume. Ah d'accord, c'était la capitale d'Adaoui, du Kingdom of Saint. Kent, c'est la région qui est en pointe comme ça, tout au sud-est en fait. C'est dans Dark King, c'est le duché de Kent, le Kingdom of Kent.
c'était leur capitale. Ah blablabla, sur la commode. Okay. Là on s'en fout en fait, hein. On veut juste aller voir le roi. Et puis vendre nos esclaves là, parce qu'ils cassent les couilles aussi. Ah, Ransom Booker. Je vais voir le prix là. Saxon, c'est 50 bandits. Ah, et brigands, c'est plus cher que bandits, d'accord. Bah voilà, c'est mieux. Je t'ai bouffé pour la route. Alors il y a Matt, Wheat et Barley. Ah oui, c'est de la laine, Wheat, non? Wheat. C'est pas un truc qui se mange, si? C'est bizarre. Bon, il y avait un mec là qui était là. Faut que je lui demande où est son king. Under siège, donc ça veut dire que ouais, j'ai un accent, ça veut dire que c'est la guerre un petit peu là. Je peux pas aller de l'autre côté du pont, hein. C'est pas ça. D'armée. Oh, il est beau. Salut, Bocas. Oh là là, le mec me dit, putain, votre gloire vous précède, peut-être il serait temps un jour de trouver un roi pour qui vous batte. J'ai une importante lettre pour vous. Une lettre, je ne suis pas un scribe. Parlez à mon brother Alfred. Ah d'accord. Ok. Ok, tu m'envoies. Ok, ça marche, tu m'envoies faire foutre en fait. Ça marche. Putain. Il est où ton ref? Putain. Ah non, c'est Alfred, le frère. Aleph Stan. Sipan Am West. Putain, mais j'ai bugué ou quoi? D'accord, ok, ah oui d'accord, c'était prévu apparemment. Traveling to weaken to serve. D'accord, et ça mettait qu'il était proche de Slottingham, t'es sérieux? Ça voudrait dire que si c'est le cas, ça va peut-être mettre un peu de temps, il y a moyen de le choper. Cette ville, oui, 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 d'accord. Par là, il va lui arriver des trucs. Un truc. Passer obligatoirement par ici, là il y a un
pont, il y a un pont. Passer par là. On va le choper ici. J'ai entendu dire que vous étiez un fameux stratégiste. Ouais, that's right, thanks to God, I'm the best commander in Europe. Ouais, carrément quoi. Qu'est-ce qu'il dit da, da, da. I am a champion, c'est le champion de la sexe. Propose un truc. I have never ever, j'ai jamais subi une défaite. Vous aimeriez apprendre de moi, n'est-ce pas? Then begun. Alors soyez bon, écoutez mes mots calmement cette nuit, ou j'enverrai un homme vous tuer. Je suis yes. I have good men. D'accord, ils sont pourris et tout, ils sont débiles. Mais ils oublient aux ordres de Fengxin, you need is that man. Whatever order we were thinking too much. Faut pas qu'ils pensent trop. Ah oui, d'accord, ils te donnent. Oui, ok, ils donnent les tactiques. Ok, ça marche. Ils donnent, c'est le tuto. le tuto des combats. Bah, ça marche, merci vieux. Et durant tout ça, j'ai oublié de lui demander où était passé Alfred. Là non, location donc c'est, je sais pas c'est qui en plus, putain je sais pas c'est qui, c'est Alcestan, c'est pas moi, là je bug dans les noms et tout à c'est un Wester, donc c'est Alfred Altes von King. C'est ça, c'est le frère du roi. Ok, il est là, t'es sûr qu'il est là-bas? Parce que là, il a fait un bond. Ok, c'est bien ça. Phil, il was approached to Witton. Chaud le mec. Ok, on y va. Putain, ça va être chiant pour le trouver encore. Alfestan, c'est qui alors? Gueule. Cacha, donc c'est celui-là. Witton Caster, il a pas bougé, ça marche. Ham ham, la vie, les mecs se font chier. Ham ham. Non, c'est pas lui. Mais là, il y a eu un tournoi, une beuverie, un truc, là, ils se réunissent là. Je passe par le haut. Oh, il est là! Il est là! Importante letter. Et si je suis gentil avec lui, il va me donner la permission de recruter chez lui. Alors, raise the letter. Ah oui, d'accord, c'est une letter que le vieux œil de serpent Sigur. So earnestly tried to get. A essayé d'avoir, je sais pas trop comment, ouais. Mon partenaire Bodo Brutit vient des Asturies. Il propose pour une armée des Asturies. Alors, la côte de Frankie, de France, en West Saxe, sous les termes d'une alliance. Le et le sang de beaucoup d'innocents est sur cette lettre, surtout celui des passagers du Wendrick, bateau à
tout a commencé. J'espère que ces sacrifices vont en sauver d'autres. Alors il prend cette lettre de vos mains. Et vous regardez ses doigts qui... Arstenerd, Weaving, je sais pas trop quoi. Il lit la lettre. Absorbé, intéressé, après avoir regardé, sans dire un mot, il appelle Bodo. Il emmène quelques temps plus loin et ça prend, enfin quelques mètres plus loin et ça prend un petit peu de temps. Où est-ce que vous êtes? Vous entendez rien, mais vous pouvez voir les lèvres bouger. Les gestes de Bodo pour donner de l'emphase ou je ne sais pas quoi, c'est bon. Alfred reste calme, tout en patiemment. C'est un jeune homme, petit et maigre, mais réputé, pas un gros tempérament, et il le cache très bien. J'ai pas tout compris en fait. Finalement, traduit pour son métier. Merci d'avoir apporté cette heure, j'ai gagné des trucs là, d'accord, ouais. On m'a tout dit, et tout ce que vous avez calé. Comment je pourrais vous remercier? Alors, le mec, voilà, me demande. Alors, j'ai fait pour Bodo, j'ai essayé de faire de l'ancien. Je veux trouver ce mec. J'ai pas de requête, aidez-moi à trouver cet enculé. Puis voilà, aidez-moi à trouver cet enculé. Voilà, on a des informateurs partout dans l'Angleterre. Si Svelnek apparaît quelque part, vous allez le savoir. Merci. Ça, putain, c'est 68, c'est même bien. D'accord, allez voir le roi, offrez-lui son. Mon frère est un bon homme, brave homme, je sais qu'il vous acceptera. Oh, merci, mais il était parti par là. Mais dis-moi où il est parti en fait. Recruter dans vos terres, parfait. Location, Britain Walla. J'ai soif. He's traveling to Sippenham, ok. Donc voilà, j'ai décidé d'aller trahir les Danois. J'aime bien l'Angleterre en fait, même s'il pleut tout le temps, on fout de la merde. Mais c'est sympa quand même, et bah voilà. Je vais donner mon allégeance. À ce roi, il va me donner une mission et je pense qu'après je vais pas aller jusque le, je vais arrêter le play de coup parce qu'après ça va être un très très long processus et vous allez comprendre pourquoi c'est loin d'être la fin de cette quête sur Viking Conquest. Vous voyez, on passe beaucoup de temps surtout à se promener, à chercher les bonhommes, surtout là dans les deux derniers épisodes. C'est un jeu chronophage, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est voilà, un open world vraiment sensationnel avec plein de possibilités. Et voilà, bon, je vais continuer, puis on va voir jusqu'où ça nous amène. Where the Britain Wall, là, oh seigneur. Je me dis save. Chose ou quoi là? Je peux cliquer dessus. Hein. Alors voilà, genre quelque chose attendait. Exploits sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Tout compris pourquoi je continue d'entendre vos aventures, bravo machin et tout. Je sais que j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à devenir mon vassal. Je l'espère sincèrement. Vous allez devenir un seigneur de ce royaume. Et là voilà, je passe de roturier à noble. Alors là je peux dire merci, je peux faire preuve d'humilité ou dire oh putain c'est bien, enfin on me reconnaît, tu vois. Vous m'honorez. On se dispense des formalités, parce que c'est dans le mode sandbox. Donc là, je vais devenir vassal de quelqu'un. Je pourrais le quitter quand je veux. Mais à partir du moment où la quête principale est finie, parce que c'est là où on arrive, c'est dans la quête principale, on devient noble, et c'est là où je vais arrêter pas trop. Bien sûr, on termine la quête principale, alors il nous arrive encore plein d'aventures, des batailles, etc. Et dans tout ça, après, on peut quitter on peut quitter. Et puis là, on retourne aller voir un autre noble pour qu'il nous vassalise si on a de bons termes avec lui. Et donc, on a droit à un petit discours, en fait. C'est pour ça qu'il fait, on se passe des formalités. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai fait oui. Alors, on fait quand même ça. Voilà, vous êtes... Ouais, alors c'est un grand moment, ça dans le jeu c'est un grand moment parce que c'est un moment où
grimpe vraiment, on prend un pas dans l'échelle sociale, quoi. Donc, voilà, on répète après lui, je serai à vos côtés pour combattre vos ennemis. Vous aurez besoin de mon épée. Finalement, faites votre serment avec courage et dévotion. Partir de maintenant, donc. C'est moi, ton homme de vassal, je te donne ma protection et le droit de diriger des armées en mon nom. Voilà, c'est compliqué. Et j'assure ne pas. Comment on peut dire. Je sais pas trop là. Ne pas atteindre à ta vie ou à celle. Ne pas atteindre à ta vie et. Ne pas atteindre à ta vie, à tes libertés, tes propriétés, excepté dans le cadre d'un jugement par des pairs dans le cadre de la loi des terres. Un truc comme ça. Voilà, servez-moi bien et je vous promets que je récompenserai. Thank you, my lord. J'ai de grands espoirs en vous. Je fais note, je fais caractère, je suis un vassal. Alors on va attendre un petit peu, on va aller se promener. Et puis je crois que ça va pas se terminer comme ça d'ailleurs. Il va me donner une terre. Voilà, il va me donner une terre. Parce que donc là il y a un fief qu'ils ont conquis qui est en stand-by. Et donc. Donc là, en fait, pour que j'ai le royaume, donc voilà, Badon-Ham, c'est un petit territoire. Et là, ça va être un jeu de politique systématiquement quand, en tant que vassal, on veut une nomination. Et ben, il va falloir aller voir les autres mecs et leur dire voilà, qui tu penses qu'il devrait le recevoir. Il fait ouais, je te soutiens et tout, tu vois. Il fait ah, merci et tout, tu vois. Et il y en a, ben, voilà, qui ne soutiennent pas. Donc, voilà. Améliorer leur relation pour qu'ils nous soutiennent. C'est le travail à faire sur le long terme, quoi. Mais dans tous les cas, voilà, quand il y a un truc comme ça, bah, faut pas hésiter à faire un. Quand il y a des banquets, on va aux banquets des villes. Il y a tous les nobles, et là, voilà, on discute avec eux et ils nous filent. Prend partie des votes qui sont en cours pour la répartition des territoires, quoi. J'ai pas des esclaves. Tiens, voilà, le slaver. Slaver, on a une petite discussion. Je peux. Non, j'ai pas de prisonnier alors. J'ai un petit peu. Voilà, je suis lord. Voilà. À la nouvelle campagne militaire, you need to bring une troupe. Donc là voilà, c'est, je suis noble. Bon, bientôt je vais avoir mon territoire, bientôt la quête va être relancée, je crois que c'est ça. Bah, il veut que je revienne pour une mission. Bah, j'ai pas compris en fait. Je vais aller voir le maréchal parce qu'il va donner une mission pour moi, parce que si je la remplis pas, j'ai juste une baisse de relation avec lui. Donc, je vais aller voir Alfred alors. Je crois que c'est le plus judicieux à faire. Parce que dans la quête, ça veut revenir pour un assignement. Donc je pense qu'il va me filer une quête, quoi. Alors là, normalement, j'attends un petit peu. On va me proposer de faire mon propre blason. Je vais attendre d'avoir la ville. Je pense que ça va se passer comme ça. Faut peut-être que j'attende la ville. J'aurai le... Profiter pour aller voir Alfred et lui dire de me soutenir. Je pense que là, j'ai 60 de relations avec lui. Donc je pense que ça devrait être gérable. Voilà, il est sûrement dû bouger, mais. Si. Les cas, si c'est sa ville, vu qu'il tourne autour, bah les gardes m'auraient dit où le trouver. Voilà, voilà, vous avez juré alliance à notre lord. Avec respect, battez-vous, machin. Voilà, je suis revenu. Alors voilà, qui devrait. Voilà, il me supporte pour la ville, très bien. Voilà, je suis revenu comme demandé. Je suis honoré, quoi. Il me kiffe, quoi. Il me kiffe. Là, je suis. Il est fan.
Voilà, on a reçu des requêtes terre pour votre aile, pour votre aide. Les choses sont critiques ici. D'accord, il veut que je mène une attaque contre. J'impose la paix. Ce que tu veux, je fais. Il veut que je prenne la forteresse Khaled-Din, biche. Pétez votre drapeau pendant 20 jours pour démontrer la force du SX. Et à partir de là, c'est donc à partir. C'est pour ça, c'est là que je vais terminer. C'est que voilà, on a déclaré la guerre. Voilà. On est en alliance avec le East Sex, puisque le SX, voilà, c'est comme ça qu'on dit en plus. Puisqu'on a déclaré la guerre, donc voilà, là, c'est là que je voulais arrêter le playthrough, parce que désormais, la nouvelle quête, elle va me prendre beaucoup de temps. C'est capturer une forteresse. Sérieux, d'accord. Ah ok, c'est pas d'accord. Et c'est à la suite de ça, alors je vais y aller, hein, je vais sauvegarder ici, mais je vais aller parce qu'on va voir combien il y a de troupes à l'intérieur. Mais à partir de là, on se retrouve à nouveau dans une phase où là, il va être nécessaire de jouer beaucoup pour accumuler une force suffisante. Donc c'est pareil, hein, je vais pas avoir un château ou une ville octroyée par mon roi pour pouvoir stocker mes troupes. Je vais devoir les stocker dans mon petit refuge là-bas, moi, en fait. Après, pas de soucis, hein, comme vous l'aviez vu dans les épisodes précédents, je peux déplacer, faire un petit camp temporaire à côté là, et puis transvaser mes troupes. Mais voilà, ça va me demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de logistique, en fait. Kingdom Denmark contre Northumbria, bah voilà, c'est la guerre partout, quoi. Bon bah voilà, là il n'y a plus trop de... C'est pas trop logique au niveau du scénario, des déclarations de guerre, je sais pas trop. Ah bah ouais, je bois. Voilà, là j'ai le droit de choisir mon blaze, en fait. Je crois qu'on peut en changer après, mais il faut que je choisisse judicieusement. Alors lequel je prends, quoi? Lequel je prends? Dans ma... Si, je crois qu'on peut en changer. Dans la première partie, je vais prendre un truc simple viking comme ça, en fait. Mais... Ah, j'avais pris celui-là, ouais. C'était pas mal, ils sont sympas, ils sont stylés, hein. Avec Jésus et tout, quoi. C'est ça, c'est voilà, c'est typiquement viking, quoi. On les a aussi dans Crusader Kings. Ah, le sanglier, quoi, de Total War. Pour les Gaulois, ils avaient pris le sanglier d'Astérix, quoi. Voilà. C'est joli, ça, mais je sais pas si ce sera au milieu du bouclier. Ah, si, un truc rouge, là, en mode dark. Vas-y, ouais, allez, j'espère que ça va bien ça, sur le bouclier, quoi. Ah, j'ai pas de bouclier avec des le blaze. Ça marche en armes. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Je crois que je peux le changer dans tous les cas. Je regarde, mais si, à mon sens, il faut regarder avant. Parce que voilà, c'est un truc important, quoi. Il faut prendre son temps, quoi. Si je fais. Ah oui, c'est en chat. Ouais, c'est dans le chat. Que j'ai un bateau, donc là déjà faut plutôt port mon bateau. Ils ont pas de port en plus, les gars. Boum, ah voilà, quoi. J'ai une troupe de 90, j'arrive à faire 1700 bénéfices. Et c'est mes commerces, ça c'est vrai, j'ai une parfaite. Voilà, ce sera la mission. Merde, on va attaquer. Est-ce que son base, voilà, là, j'ai pas fait mon rapport au maréchal pendant son assaut. Parce que je perds juste des relations avec lui, et encore là j'ai rien perdu, juste pas. J'ai pas le village alors. Je regarde, hein, il m'a pas filé de fief là. Il vient de faire un tour et tout, alors je sais plus trop comment c'est dans Viking Conquest. Bah du coup ma première partie j'avais juste fait donc j'avais suivi les Danois, et puis par la suite. Voilà, ils font un festin, donc on nous annonce un festin dans une des villes, je vais pas regarder. Ce
sont ça dans les quêtes. Bah non, en fait, on s'en fout. Donc j'avais voilà, j'avais juste des Nordiques, après je m'étais barré, j'avais fait mon pirate, et puis j'étais, j'avais pris Londres en fait. Hein. Mais ça pour les East Anglia, j'avais pris Londres, pour le Essex, pardon, j'avais pris Londres pour chez des Merciens. Et du coup, voilà, j'étais le boss de Londres, quoi. J'avais joué longtemps, j'avais créé plein de bâtiments, c'était une ville prospère, je faisais beaucoup de sous. Bon, ouais, je m'ennuie un petit peu, parce que du coup, c'était devenu un peu plat. J'avais essayé après ça de faire mon royaume dans le nord, mais je m'étais fait défoncer. Ah, pardon, ouais, je m'ennuie un peu. Parce que du coup, il faut prendre une ville. Déjà, prendre un château, c'est chaud. Prendre une ville, c'est encore plus dur. Voilà, là, dans la ville, il y a 298 mecs qui la gardent. Et moi, j'ai une armée de 178. Donc déjà, à partir de là, je suis pas bon. Donc, s'il va falloir que je fasse, hein, cette armée-là, je vais la gagner avec de la réputation, avec du prestige. Ça s'acquiert en faisant des grandes batailles pour son seigneur. Ça s'acquiert en capturant des villages. C'est pareil, si j'ai des châteaux, que je vois que j'ai une opportunité, qu'il n'y a pas grand monde dedans, je pourrais les assaillir. Mais voilà, il me faudrait une bonne opportunité. Tandis que pour ce château-là, je suis obligé de le prendre pour continuer la quête principale, en fait, qui va m'emmener. Il y aura d'autres batailles et d'autres modifications, justement. Je parlais de la modification géopolitique. On aura là cette modification qui va se produire. Le Wessex, il va prendre une grosse part, ou je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, le Northumbria, là, en rose, il va manger. Il va prendre cher. Là, il a trois capitales. Il va en perdre au moins une, c'est sûr, quoi. Du coup, je pense pas Jorvik parce que c'était la capitale. Je pense ouais, il va perdre au nord, je pense. Donc voilà, ça promet d'être sympa. Après ça, je pense rester un petit peu au Essex tranquillement, et puis aller piller à la version pirate, aller piller un petit peu les mecs, les adversaires, quoi. Faire du bon pillage et puis ouvrir des sociétés surtout dans plein de villes différentes. Voilà, parce que là, si je vous assiège. Alors, il y a plein de trucs, hein, quand on assiège le château. Voilà, ça me plaît. On peut faire un. Alors ça vient de Britain Welda, où il y en avait plein d'options différentes dans les sièges. Voilà, je leur demande une fin de siège. Il y a un tribut, ils rigolent. Préparer, encercler le village. Donc préparer comme ils faisaient à la romaine, en fait, creuser autour du lieu à prendre pour encercler la colonie. Ça prend un certain temps. Voilà, il faut plus de 250 hommes. Moi, je les ai pas, on est 90, donc on va pas le faire. On peut envoyer un homme à l'intérieur de la ville. Merde, c'est moi qui m'introduis. Putain, je suis con. Oui, bah voilà, ok, j'ai pu. M'infiltrer. J'ai un inventaire. J'ai un bâton et un couteau, d'accord. J'ai pu m'infiltrer, donc ça, c'est quand il y a des marchands, des trucs comme ça. Je peux aller libérer. C'est quoi ça? Des prisonniers, quoi. On peut essayer d'avoir. Ah, Yves, d'accord, il veut des pierres en fait. Ah oui, d'accord, c'est. Bref, je voulais éviter la. Donc voilà, je peux m'infiltrer. C'est pas ce que j'avais prévu. Je croyais qu'on pouvait envoyer un mec à la place en fait. On peut faire des latrines. Top, voilà, ça prend 4 heures. Pour 90 heures, bon, ça va faire quoi? Donc ça en fait, ça prend 4 jours, je pense qu'il y a marqué. 4 jours piller autour pour apporter de la nourriture. Donc là voilà, on envoie là ça nous dit un petit peu, c'est en anglais, mais là voilà, il n'y a pas de, je sais plus, il y a un nom en français pour ça, blockade. Voilà, il n'y a pas de blockade autour, donc les hommes et les provisions peuvent entrer et sortir de la ville. Vos hommes sont en train de faire sont en train de piller les trucs autour, et puis il y a les latrines, donc ça n'a pas de message. Après on aura un message, les latrines, tout se passe bien. On peut préparer l'assaut, donc voilà, c'est ça, envoyer des scouts dans la ville. Alors des fois il y a des petits events, parce qu'après, une fois qu'on a, voilà, je peux faire des engins de siège. Voilà, je fais les engins de siège, après les engins sur les murs, etc. Et après, bon, les engins de siège, ça va être tout simplement d'attendre, en fait. J'attends jour après jour. Le projet, donc, ça va être tout simplement, là, les villes, elles sont plus... voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'après on a des petits pendant qu'on attend, on va avoir des petits trucs qui vont arriver, genre des petits assauts, genre voilà, on a appris par un espion que il y a des gens, ils ont une petite sortie cachée dans les remparts, ils vont récupérer de l'eau, voilà, on va les choper, voilà, on fait les buts, ça fait diminuer le moral de la ville. Et après voilà, on fait le meeting, on demande
qui se rendent ou on leur fait payer un tribut. Ça, ça marche bien quand on a une grosse armée de vikings, que si j'ai des villes, demander un tribut, on se barre après. Et il lâche des thunes, quoi. Mais voilà, plein de petits trucs interactifs en plus dans les sièges qui sont très très sympathiques. Bon voilà, je pense que je vais arrêter ici. En tout cas, n'hésitez pas, le playthrough est un peu pourri parce que c'est en anglais, parce que c'est dur de traduire en même temps, parce qu'il y a beaucoup de temps mort, on va chercher des mecs, on va chercher des camps dans les forêts, les trucs comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais en tout cas j'espère que ça vous a donné envie de jouer à ce superbe jeu, parce que c'est vraiment un putain de grand game, hein. C'est celui qui édite Paradox Interactive, hein, donc niveau, on va dire, m'avancer, mais je pense que niveau historique, ils savent ce qu'ils font. On a vraiment les noms des mecs qui existent vraiment, etc. C'est un jeu très très profond. Que pourrais-je rajouter d'autre? Ouais, je sais pas. Bah, en tout cas, Viking Conquest, j'avais une super bonne phrase pour ça. Mais je sais plus, mais c'est l'apogée en gros des jeux de développeurs. Je sais même plus c'est quoi le. Chaque éditeur c'est Paradox, mais le studio à la base, je crois que c'est un petit studio turc justement qui avait pas beaucoup de moyens. Ils ont grâce au soutien de la communauté, mais aussi de l'expertise de la communauté, puisque ce mode Viking Conquest a été développé avec les mecs qui ont à la base développé le mode en tant que passionné de Britain Welda, le mode original, on va dire. Donc c'est des mecs qui ont intégré les compétences de l'équipe, et ça nous donne un super jeu qui, voilà, un super studio grâce à sa communauté qui fait des putains de jeux. Donc bref, voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, voilà, un petit jeu petit budget, et pourtant, bah voilà, il y en a sur Viking Conquest. C'est, on va dire, voilà, le résultat de nombreuses années de développement, de travail. Félicitations à eux, j'applaudis, bravo. Ben voilà, c'est la fin de mon let's play, mon playthrough sur Viking Conquest, en espérant vous avoir donné envie de jouer. Et puis on se quitte sur une petite image du Kattegat. Voilà, c'est ça le Kattegat en fait, il n'y a pas de ville à proprement parler. Le Kattegat, c'est un truc où l'océan il est réduit, quoi. Voilà, on sait pas trop, j'ai pas de traduction exacte. C'est l'entonnoir, voilà, ça veut dire ça en fait. Dans Viking, début de la nouvelle saison, bah, n'hésitez pas à regarder, c'est pas mal. Allez, des bisous, à bientôt, ciao.